Mais non. Mais si. Incroyable. On peut faire une photo? Avec plaisir. Tiens, tu peux nous prendre s'il te plaît? Merci. Merci, merci, c'est cool. Merci Alexia pour tout ce que tu fais, vraiment, je prends exemple sur toi dans toute ma vie. Ciao, ciao Alexia. Et ciao Sydney, wesh. Ciao. Mais wesh, c'est quoi ce délire? Bah c'est simple, je suis devenu plus connu que toi en fait. Mais depuis quand? Depuis que le petit Jésus est né, wesh? Bah non, depuis que j'ai créé mon site Odoo en fait. C'est quoi Odoo? C'est un truc de sorcellerie, wesh? C'est un outil de gestion d'entreprise qui comporte plein d'applications différentes en fait. Et ce qui est cool, c'est que la première application que tu choisis chez eux, bah elle est gratuite à vie en fait. Donc moi j'ai décidé de faire mon site internet en fait. C'est rapide, simple, efficace, tout le monde peut faire un truc trop stylé sans s'y connaître en fait. Mais c'est quoi? Ça parle de quoi ton site internet, espèce de bouffon de l'asile, wesh? Bah il parle de moi, je raconte ma vie en fait. C'est tout, wesh. Donc là c'est moi dans la rue en fait. Là c'est moi qui dors. Et si tu veux personnaliser les textes, les couleurs, les images, mettre des vidéos et plein d'autres trucs, bah c'est trop simple en fait. Regarde, là je donne des conseils de vie aux gens en fait. Si quelqu'un est méchant avec toi, bah lui parle plus en fait. Ah ouais, pas bête, j'y avais pas pensé, wesh. Ouais, c'est ChatGPT qui a écrit parce qu'il est directement intégré dans l'appli en fait. En fait, t'as rien foutu toi, wesh. En plus, ton nom de domaine personnalisé il est offert pendant un an. Ah ouais, donc moi là, si je veux créer mon site gratuitement pour vendre par exemple l'eau de mon bain, je le fais avec Odoo, wesh. Bah ouais, sauf que personne voudra t'en acheter parce que c'est dégueulasse en fait. Ouais, sauf que moi, mon site internet il sera quelque chose. Tu racontes pas juste ma vie, wesh. Pff, tu dis ça parce que t'es jalouse en fait. Bah oui, j'ai pas honte de le dire, je suis jalouse, wesh. Bah t'as qu'à cliquer sur mon lien en description pour créer ton site internet gratuitement en fait. Bah merci, wesh. Bah de rien en fait. Bienvenue dans Danse avec des stars. Bonsoir mesdames et messieurs les jurés. Bonsoir. J'achète. Ce soir c'est la finale, donc je pense que ça va swinguer. Ça swing, c'est... Par rapport à la danse, non? Personne là? On l'a. On a un public de merde ce soir. Alors, pas grave. Écoutez, on va s'adresser à nos deux finalistes, Sydney et Alexia. Alors les filles, j'ai l'impression qu'à ce moment de la compétition, il y a un peu de tension entre vous, non? Non? Bon. Et sinon, vous êtes fiers d'être arrivés jusque là? Ouais, ouais. Moi, si j'ai participé à l'émission, en fait, c'est pour gagner parce qu'à la base, je suis une battante. Oh, attention, samba les couilles. Eh oui, désolé, Alexia, vous avez moins de followers que Sydney. Voilà. Sydney, vous voulez dire autre chose pour l'audimat, pour les gens qui vous suivent? Bah, merci, wesh. Ok, bon, on n'aura pas mieux. Et avant de passer à l'affrontement final, même si dans finale il y a al, comme dans fini mal, ça veut pas dire que ça va finir mal, hein. Vous voulez pas vous battre? Je rigole. Vous voulez pas vous battre? Ah, parce que ça ferait plus d'audience et on se ferait un peu moins chier. Non? Pas de baston? Un petit bourre-pif? Une petite gifle? Un nion? Non? Ciné, vous voulez pas lui faire une coco? Personne veut se battre, hein, c'est sûr. Ah! Bon, regarde les répétitions alors. Bonjour à tous, je m'appelle Ciné, 1m70 de beauté fatale. Je suis l'influenceuse la plus connue de France et de Paris. Moi, je suis là pour gagner, wesh. Je pense que si j'avais pas été influenceuse sur les réseaux sociaux, j'aurais été actuellement danseuse professionnelle. Mais bon, on choisit pas son métier, c'est comme ça, c'est la vie, wesh. Moi, à la finale, je pense depuis que j'ai 2 ans et demi. C'est un rêve que j'ai envie d'acquérir de moi à moi-même, du coup je me donnerai tous les moyens pour y arriver, wesh. Oh Sid, ah, je vais pas pouvoir faire la finale, je me suis cassé les deux rotules dans les transports. Non, je te crois pas, wesh. Prank, te stresse pas, c'était une blague. Mais je sais, ça fait 2 mois que tu l'as fait tous les jours, wesh. Mais non, par exemple hier c'était le dos. Ah ouais, autant pour moi, j'avais oublié mon seigneur. Pas de soucis mon seigneur. Donc on s'y remet, allez, et ça fait ta 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 ta. Allez Sydney, allez, parce qu'on a du pain sur la planche, donc on met les bouchées doubles, hein, c'est la finale. Je sais pas pourquoi Pedro il me parle de nourriture comme ça, wesh. On va faire quoi? Une danse sur un couscous avec de la sauce qu'on va lancer partout comme ça, wesh. Comme dans le dessin animé avec le raton laveur dans le cerveau qui fait à manger à la place du cuisinier fou, wesh. Je m'appelle Alexia en fait, je suis influenceuse de mère en fille. Et moi ma maman, bah c'est toute ma vie en fait. Je l'aime à la folie, je pourrais mourir pour elle. Et depuis toute petite elle m'a toujours dit que je dansais comme une merde. Alors du coup bah j'ai décidé de faire cette émission en fait pour lui prouver qu'elle avait tort cette grosse pute. Ok, la danse qu'on va faire c'est du macumba, okay. D'accord, donc ouais. On commence par les 3 petits pas. Ça fait 1, 2, 3, tu peux commencer ça déjà Alexia. Ok, alors montre-moi ce que t'as pour. Là t'as marché en fait. Ah non, c'est pas marché, on apprend les bases d'abord. Non, franchement, t'as non. Juste marché pour... Alexia, s'il te plaît, me remets pas en question, ferme un peu ton clapet. On fait 3 pas, c'est tout. 1, 2, 3 et tu vas voir si c'est marché. On fait 2 heures de ça, allez, 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 allez. Allez Alexia, c'est très bien. 7, 8 et ha. C'est bien Alex, c'est bien. Continue à marcher, à faire des pas, continue à faire tes pas. On va reprendre, pour ceux qui font le niveau 3, il y aura pas... Allez, c'est bien Alex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop là. Et on s'embrasse comme des chiens. Ah.
Je dérange peut-être. Wesh, bête, mais qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu pour t'encourager, enfin. La production m'a fait une super surprise, je suis trop contente, wesh. Vince est venu me rapporter mon cher Arger. C'est super, comme ça je vais pouvoir scroller jusqu'à 4h du mat, rien faire de productif, être fatigué le lendemain matin. La belle vie, wesh. Salut, enchanté Pedro. Enchanté, je suppose que t'as beaucoup parlé de moi, non? Ouais, ouais, carrément, ouais. Bah t'es Vince. C'est ça, Vince, ouais. Et t'es si tu devais te décrire en un mot, tu serais Son copain. Le copain, ouais, bah exactement, j'aurais dit la même chose. Vince, le copain de Sid. Ah, attention, l'appelle pas Sid, elle aime pas du tout, hein. Conseil, appelle la Sydney. Sinon elle va devenir folle de rage. Ça marche, t'emmerdes pas. Allez Sid, on s'y remet. Ouais, carrément, wesh. Donc au début c'est robot, quoi, et après c'est galoche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et... Alors Alexia, maintenant qu'on a appris à marcher un petit peu, on va apprendre à... danser. Hein? Mais c'est une blague en fait. Ah mais attention, sans dépasser, hein. Donc ça va nous aider pour la danse en fait. La danse qui a lieu dans moins de 24 heures en fait là. Il fait chaud, hein. Il commence à faire chaud un petit peu. On va se déshabiller. Là je me dis, ok Alexia, tu dois gagner la finale, donc tu te concentres et tu te dépasses pas en fait. C'est un exercice compliqué parce qu'en fait on croit que c'est facile, mais en fait bah c'est hyper difficile en fait de pas dépasser en fait. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où l'on va parler de burn-out et où je proposais 8 solutions pour en sortir. Je veux qu'on raconte bien cette histoire, je veux de l'amour, je veux de la passion et je veux qu'on croie à ce couple surtout, c'est super important, ok? Ah ouais, un couple, carrément. Donc ça fait 1, elle tombe amoureuse de son prof de danse. 2, il n'est ni intéressé physiquement ni intellectuellement. 3, elle insiste un peu trop. 4, il accepte par pitié. 5, ils finissent par faire l'amour à l'arrière d'une bagnole un peu sale. 6, il chope des MST. 10, il lui fait la demande en mariage. 11, va-t-elle dire oui, va-t-elle dire non? Dis oui, dis oui. 12, ils se marient finalement en cachette. 13, ils ont un enfant ensemble. 14, ils forment une famille unie. Oh, oh non, bah, attends, j'y vais. Non, non, bah tu rigoles, tu l'as fait toute la nuit, j'y vais, t'inquiète. Merci, mon tailleur. Ouais, chouchou. Ça fait partie de la choré, ça aussi. Alexa, c'est bon, je l'ai. J'y ai pensé toute la nuit. Enfin, ça fait des semaines que j'y pense. Hein. Cette danse, c'est une danse qui représente les 4 couleurs de l'arc-en-ciel, ok? C'est génial, ça va révolutionner le monde de la danse. D'accord? C'est en 4 gestes. Ok, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Première personne à qui je le dis. Ça va être génial, Alexia. T'imagines avoir inventé une danse pour l'émission, pour le Prime? Oh, Alexia, j'ai rêvé de ce moment toute ma vie. Ok, c'est la Macarena, ça en fait. La quoi? Quoi? La danse que tu viens de faire, ça s'appelle la Macarena en fait, ça existe. Non, quoi? Bon alors Vic, t'en as pensé quoi de la choré? Impressionné par mes pas de danse? C'était sympa, ouais ouais. Mais vous vous êtes inspiré de notre histoire. Notre histoire? Bah oui, enfin notre couple quoi. Ah non, pas du tout, wesh. Ah non, mais sinon c'était hyper émouvant. Enfin à part la fin, j'ai pas trop compris comment ils ont pu avoir un gosse alors qu'ils se connaissent depuis 2 mois. C'est pas crédible quoi, comment ils ont fait? On a adopté. Enfin ils ont adopté les personnages de la choré quoi. Ah. On va adopter. Qu'est-ce qu'il y a? Il veut aller avec maman. Donne, il veut voir maman. Hop là, mon bébé. Le plus beau bébé de tous les bébés. Coucou, bébé. Touche pas mon casque, toi, wesh. Bon, Alexia, moi, je suis désolé, j'ai tout donné. Hein. Vraiment, j'ai plus rien. Je suis vide, là. Donc, je vais y aller. Je te souhaite bon courage. Non, tu vas pas y aller, en fait. Parce que moi, j'ai besoin de toi, d'accord? Il y a la finale demain. Ouais. Moi, je suis la star, j'ai envie de briller, d'accord? Eh oui. Donc, tu me trouves une choré, je veux gagner, en fait. Ok. Bah, on va faire ça. Là. Tu me suis. On va en bas, on va en haut. Et... ça va? 5, 6. Ah mais ça pue la merde, wesh. Non. Ah mais c'est lui, faut que je le cherche, il a dû faire caca dans le pipi de la couche, wesh. Je vais lui faire son biberon, moi. Et c'est quoi ça? C'est pas à moi, je porte pas de string. Bah moi non plus. Propriété d'Alexia. Attends, tu me trompes avec Alexia, c'est ça, wesh? Je savais que c'était un enculé, je le sentais pas. Bah non, pas du tout. T'es en train de me tromper avec ma piquée ennemie, wesh? Mais je te ferai jamais ça, enfin, je t'aime de tout mon cœur. Vas-y, en plus, elle a les cheveux qui puent, wesh. Vas-y, je vais lui casser la gueule. Alexia, wesh! Y'a pas comme un problème? T'aurais pas oublié une affaire dans mon sac, wesh? Bah non, je crois pas en fait. Et le string jaune qui sort le pipi, c'est pas à toi? Bah à mon avis, c'est pas à moi parce que je porte pas de string en fait. En fait, tu me trompes avec mon maître, c'est ça? Mais t'es au courant qu'on a acheté un enfant ensemble, wesh, qui met un coup de boule dans la tête? Alors écoute-moi bien, petite salope en fait. Moi, je suis pas ta pote, ok? Donc tu manques pas de respect parce que sinon je vais t'en mettre une dans la gueule. Ah,
en fait. J'espère que vous avez pas choisi votre choré sur un coup de tête. J'achète. Je plaisante. En tout cas, cette finale s'annonce grandiose et voyons voir ce qu'en pensent les jurés. Alors moi je pense que ça va être Sydney. Hein. Sydney, elle est incroyable, elle a du punch, elle a une bonne maîtrise de la danse. Et tu es ma chouchoute. Oh là là, mais quel mytho. Tu lui mets des 10 depuis le début juste parce qu'elle danse pieds nus. Pardon? Non, alors ça c'est n'importe quoi. Là vraiment, tu dis n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu te rends compte un peu de ce que tu racontes? Du moment qu'il y en a une des deux qui fait des pas chassés ligaments croisés en retenue sur le bassin, elles ont toutes leurs chances de gagner. J'achète! Merci, bonne journée. Achetez des clés! Et bien sans plus attendre, Alexia et l'autre, c'est vous qui ouvrez le bal! Sur une Roomba, Alexia est pas... Oh, regardez, Alexia fait semblant de s'évanouir pour éviter les votes du public et ainsi reporter sa note. Non, pas du tout. Ah bah si, Alexia, et puis c'est pas la première fois, regardez. Sur un tango. Sur un mambo. Sur un cha-cha. Encore! Et malheureusement, cette fois-ci, ça ne passe pas, Alexia, puisque c'est la finale. C'est donc Sydney qui l'emporte. Oh! Alexia va mieux. Ça va nickel. Alexia va beaucoup mieux. Ah, donc on reprend. Sur une Roomba, Alexia et Pascal. Aïe, décidément, la chance n'est pas de votre côté, Alexia, hein. Non, mais j'ai tout fait foirer, en fait. Bah ouais. Non, c'est moi qui ai tout fait foirer, c'est moi qui ai foutu le string. Ils m'ont demandé de foutre le string dans le sac de Sydney pour foutre la merde, pour avoir un petit peu plus de show, de spectacle. Alors, en pleine nuit, dans le studio, alors qu'il n'y avait plus personne, je me suis déguisé en Alexia et j'ai foutu le string dans le sac d'Alexia, Alors que moi, je voulais pas le faire là-bas. C'est pas moi ça. Moi, je suis juste un danseur, un simple et brillant danseur. Eh ben, je crois que j'ai compris toute la manigance ici même. On est en train de nous prendre pour des débiles. On nous prend pas des pigeons voyageurs ou quoi, wesh? Eh, mais vous êtes des monstres du Loch Ness ou quoi? Alors attention, c'est pas si simple que ça. Oui, on manipule, mais pas comme ça. Tu vois, si je t'avais dit, j'aurais pas pu te tromper. Toi, ferme ta gueule, le trompeur fou, va tromper quelqu'un d'autre dans ton pays, wesh. Ouh. Bien envoyé, Sydney. Putain, Sid, je suis innocent, merde. Bon, magouille, pas magouille, Sydney, Pedro, c'est à vous, là, allez. Sur une Roomba, Sydney, Pedro... Oh, mais putain. Je danserai pas avec lui, c'est hors de question, wesh. J'ai déjà un partenaire avec qui je me danse. Ma chérie, depuis le temps que j'attends ce moment, j'en ai toujours rêvé. Alexia, voulez-vous bien m'accorder cette danse avec moi-même? Mais Sydney, je comprends pas, en fait. Pouvons l'heure qu'on vaut bien mieux que, wesh. C'est Sydney, à la base, moi, j'ai toujours voulu... C'était incroyable, on en a pris plein les mirettes, c'était encore plus beau que la naissance de mes propres enfants. J'espère que cette danse sera une leçon pour tous. N'oublions pas que dans la vie, on n'est pas toujours en compétition. On peut aussi avancer main dans la main, en équipe, et réussir de belles choses, wesh. C'est vrai ça. Et franchement, j'ai qu'une chose à dire, c'est que ça nous serve de leçon. À toutes et à tous. Bravo Sydney, en fait. Merci, wesh. Passons au vote. Mais putain, vous avez préféré qui entre Sydney et Alexia? Mel?
C'est dur. Quelle claque j'ai eue ce soir, vraiment. Je ne sais pas comment vous départager. Je pense que je vais vraiment avoir besoin de temps. Ok, pas de soucis, on va revenir. Alexia, sans hésitation. Tu comprends que le bonheur est pour vous. Chris, c'est à vous. Sydney, évidemment, Sydney. Moi, j'ai été particulièrement touché par... Ses pieds. Alors, non, vraiment, non. Ça commence à bien faire. Là, il est quelle heure? Ça fait 3h, il est 16h. Ça fait 3h qu'on tourne et tu me fais chier avec ça encore. Ok, Jean-Marc. J'achète. D'accord, mais qui? J'achète. Non, ça j'ai compris, oui, mais qui? Sydney. J'achète. Un nom, par pitié. J'achète. Jean-Marc, un effort, je vais te frapper. J'achète. Bon, allez, Sydney. J'achète. Allez, un vote pour Sydney. Sydney, ça fait 2 votes pour vous, 1 vote pour Alexia. Bête féroce, c'est à vous, votre vote peut être décisif. Alors, vous nous avez fait une kinésphère en chassé-croisé, j'avais demandé des pas chassés ligaments croisés en retenue sur la rotule. À un moment donné, si on n'arrive pas à faire 2 moulinets triple sec à la suite, plus un triangle et une montagne russe, je sais pas si on a sa place ici, mais il faut faire un choix. Et donc mon choix va se porter sur la personne qui a été plus dans l'émotion que dans l'interprétation. Ce sera Alexia. C'est donc une égalité parfaite. 2 votes pour Ciné, 2 votes pour Alexia. Voyons voir les votes du public pour savoir enfin qui va gagner cette grande finale. Ah, non, 50-50, mais c'est du jamais vu dans l'émission, c'est incroyable ce qui se passe. C'est un délire en fait là. Personne n'aura gagné finalement. Bah si, on a gagné toutes les deux, wesh. Bah non, tu connais pas les règles du jeu ou quoi? Non mais je pense qu'elle voulait dire en fait c'est qu'on a gagné toutes les deux parce que... on a chacune trouvé une amie. Oh. Eh ben merci. Merci les filles, parce que grâce à vous ce soir, on a vécu beaucoup plus qu'une finale. Vous avez ouvert votre cœur et devant la France entière... Non mais elles sont parties là. Y'a plus personne. Hein. Oh. Je te le dis parce que je veux t'aider là, mais tu parles tout seul. Bon. Bah je vous rappelle que ce soir, vous pouvez toujours gagner 10 000 euros en envoyant par SMS au 7 14 14 14 14 14. Et moi je me sens trop bien avec toi, genre je sens qu'on va réaliser des grandes choses, wesh. Bon. On y va dans cette bijouterie? Je suis trop contente d'y aller avec toi, c'est trop cool, wesh. Mais non, mais tu rigoles, c'est moi qui suis trop contente en fait. Pour une fois que je trouve une amie qui accepte de faire ça avec moi, c'est trop bien en fait. Eh, mais on est jumelles ou quoi, wesh? Grave en fait. Allez, let's go! C'est parti, mon kiki! Messieurs, dames, c'est un braquage en fait! Extrêmement désappointé. Je suis désolé, on a tout fait comme vous aviez dit, le string et tout. Mais vous avez pourtant échoué. Embarquez-le. Non.